Adrienne. Tel est le titre de la pièce théâtrale que présente l'artiste comédienne ivoirienne Adrienne Coutouan. Elle a reçu beaucoup de distinctions, donc c'est pour nous un moyen pour elle de pouvoir communier avec tous ceux qui portent Adrienne Coutouan comme fan. Les Ivoiriens ont peut-être envie de revoir leur artiste sur scène parce que depuis un moment c'est le cinéma. Alors il fallait que je crée ce spectacle. Maïla Bombe, Fortuné, Amélie Wabéi, Omega David, Lupita et de jeunes talents aux côtés de leur consœur Adrienne pour un véritable récital théâtral. Les corollaires d'une relation amoureuse contractée via Internet entre une dame d'un certain âge et un homme se faisant appeler Benguiste, qui malheureusement pour la dame se trouve être un vendeur d'illusions. Tumulte amoureux, déception, trahison, malhonnêteté. Voici résumée la trame de cette œuvre théâtrale qui tient en haleine les spectateurs pendant 1h30 minutes. Ce mariage, même si ça va pour moi, j'organise. Fou rire, hurlement, applaudissements. C'était formidable. À aucun moment, on s'est ennuyé. Elle était géniale, comme d'habitude. Adrienne. Un spectacle rehaussé par la présence de plusieurs personnalités, en l'occurrence Naseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. On a passé une soirée formidable et nous avons été heureux d'être là pour l'accompagner. À travers ce spectacle, Adrienne Coutouan contribue au réveil du théâtre ivoirien.